Salut YouTube! Salut YouTube! C'est pas du tout notre troisième tentative de partie sandbox. Pas du tout. Pas du tout. C'est de la merde. Commence avec une petite map. Ce sera moins dur avec une petite map. Allez, on essaie une petite map. Voilà. Ouais, non, le jeu est pas simple. Effectivement, c'est voilà, c'est des bons jeux de gestion bien ardus comme j'aime. Moi, ça me dérange pas de recommencer trois fois. C'est peut-être moins intéressant pour le stream. Par contre, je suis désolé. Hein. Du coup, petite, en type de terrain, on va partir sur du terrain plat aussi. Silveroid, merci pour les 18 bits. YouTube, après deux tentatives, il réussira à laisser un commentaire. Merci beaucoup, Silveroid. Donc, petit monde avec un type de terrain plat. Démarre pas en 1850. Si. Formation du monde, c'est les montagnes en fait. Type de terrain. C'est les montagnes. Donc, des tunnels, des ponts et ça coûte plus cher. Donc, en avant, c'est parti. Salut YouTube. Je vais bien noter juste le début. On est à. Bon ça va, celle-ci on aura pris moins de temps, ça nous aura pris 20 minutes à remarquer qu'on avait chié dans la colle et que ça marchait pas. Il y a un Smart Steam, c'est-à-dire. Ah, pour pas suivre, c'est un lien méga. Oui, je sais, ouais. Alors, pause. On a déjà perdu 4 mois. On est donc sur une map ben plus petite, hein. Ben plus petite. Bertigny-sur-Orge me semble être le centre du monde. Au niveau de la prod. Bon, on a dit, on a vu, vraisemblablement le train c'est beaucoup trop cher pour commencer. Donc on ne commence pas par le train. Pas par le train. On commence par le pain. Si ça veut bien au niveau des champs. Donc on a des champs là, on a des champs là. Le centre du monde, fuck you, t'es méga loin du pain. Non mais c'est de la bite cette map, attendez, on peut la régénérer parce que là les deux champs sont à l'extrémité de la map. Je veux que ce soit un peu centré quand même. Ah c'est un truc qui stimule Steam, donc effectivement c'est du crack. Donc Altamix, si pour toi c'était des clés legit et que tu les payes, arrête tout de suite d'acheter ces clés, c'est des clés craquées. Hein. Markira, on m'en a parlé, je connais pas, mais on m'en a parlé. Ok, est-ce que c'est mieux là? Ah non, on commence le 1er avril, ok. Donc ce jeu est une vaste blague. Où sont les champs? On a un champ ici. On a la production de pain qui est à côté. Et on a Granville qui est sur la route. Granville et Montluçon. J'aimerais bien développer Montluçon. Ça sonne bien, mais... On a une deuxième production de pain ailleurs ou pas? Et un deuxième champ. On a une production de pain ici. Et est-ce qu'on a un deuxième champ? Ouais, mais un peu loin. Mais... Ouais, non, ça fait loin. Ça fait un gros trajet. Non, on va du coup faire ça. De là à de là. Donc, pour la production de pain, on fait des allers-retours ici. Et pour la production, pour la vente, on fait paf, paf. Et on va développer Granville. Pour la suite, on a la forêt. On a les planches qui sont créées ici. Ou même là, là. C'est presque... Je sais pas ce qui est plus proche. Aucune idée. C'est en Normandie ? On va en Normandie. Ok. Ouais, on peut partir là-dessus. Alors, il va falloir qu'on tire une route déjà entre ici et là. Donc, petite route. Et pour le moment, on va dire fuck au train. Là, ça a l'air d'être assez plat. Vérification. Alors, ça monte pas mal quand même. Hein. Mais je suis pas sûr que contourner la montagne nous fasse gagner du temps. On va partir comme ça. Après, rien ne m'empêche de faire un tunnel, mais ça me coûte 3 millions de faire le tunnel, donc fuck. Tu peux éviter tout ce remblai là. On va bien passer par en haut, sur la colline. Siffler là-haut, sur la colline. Et là, les yeux. Bleu, Belinda, c'est pas la même chanson, pas du tout. Et par là, hop. Tac, est-ce que je peux... Non, on veut pas faire de tunnel. Reste comme ça, hop. Ok. Tac, par là. Pas trop dans le sol, mais là ça coûte 70 000 contre 200 000, donc comme ça. Ok. Maintenant là tu aplanis. Arrête de creuser tant que ça. Ah, c'est pas mal là, attendez. Sans le côté pont. Voilà, là c'est bien, 108 000.
Et maintenant, comment je fais pour le rétablir au sol? Ah, comme ça, ok, d'accord, ce bouton, ça permet de rétablir le sol. Et on vient se connecter à cette route-là, 125 000. Ça va, ça nous aura pas coûté trop cher. Ok, ensuite. Route. Paf. On met un entrepôt peut-être large. Combien il coûte l'entrepôt large par rapport au... Il coûte deux fois plus. Ah non, c'est le nombre de lignes, vous m'avez dit. Hein. Et là, il n'y aura que deux lignes en l'occurrence. Donc on le met là. Ok. Pain. Attendez, je vous ai pas masqué le chat. Le pain, c'est bon. Ici. Hop là. Ok. Donc là on a une première ligne. Et enfin ici le centre commercial est au centre. Captain Obvious. On met un arrêt de bus qui court toute la ville, c'est formidable. Et enfin un entrepôt de véhicules qu'on va mettre là. 17, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15. Alors, les lignes. La première ligne, tu viens de là. Ah, nouvelle ligne. Tu viens de là. Tu viens du blues. Hop là. Donc ça, c'est la ligne pain. Je suis trompé dans les arrêts de bus, c'est-à-dire. Qu'est-ce que je fais? C'est pas un arrêt de bus que j'ai mis? Mais c'est bon, vous m'avez dit les arrêts de bus ça fonctionne. Il est bien mon arrêt de bus, non? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a mon arrêt de bus? Les autres, quoi les autres? Ouais, banqueroute, Elite. J'ai fait quoi avec mes arrêts de bus? Aux fermes? Nick! Putain. Bon, ça va. Heureusement, il coûte pas trop cher. Effectivement, bien vu. Bien vu, bien vu. C'est ça qu'il nous faut. Ça va que ça coûte pas bien cher. Hein. Là. Tac. Et... Donc, aire de chargement, c'est bien ça. 13 002, j'ai vu un 13 002. Il y a un 13 002, 13 006, 13 006, c'est bon, ok. Donc camion, good. Pain, le jeu est intelligent, il arrive à remplacer, quand je remplace un dépôt par un autre, il remplace correctement. Et de là à de là, ça c'est la ligne pour Montbrisson, non, c'est la ligne de Granville. Granville, pain. Alright. Maintenant. On embauche. Des carrioles de transport. Beaucoup. Peut-être pas autant qu'avant, mais... 20. Qui vont faire la ligne pain. Et... Bonsoir polonais. Acheter véhicule. Véhicule de transport. Pas trop. Granville pain. Et on se touche la genou maintenant. Et on regarde notre argent en grandir. Ça nous a coûté 1 million de faire notre truc, ça va. Ça va. Pour l'époque ça fait beaucoup, mais ça va. Ok, ils prennent la bonne voie, c'est bon, là il y a de l'attente, c'est normal. Ah oui, ils sont tous stackés là en plus, lol. Bonjour, je multiplie les chevaux, ah plus maintenant. Allez, c'est parti.
J'aurais pu attendre avant de les faire ceux-là, parce qu'ils vont coûter un peu cher pour rien au début. Ça devrait pas être trop problématique. Est-ce que... Non mais non, j'allais dire est-ce qu'on fait livraison de pain à Montluçon aussi, mais le truc c'est que la production de pain est super loin, donc non on va pas le faire. On va vraiment focus sur Granville pour le moment. On full focus Granville. On a aggro. C'est bon, vous, la production? Ça suit, ça suit, ça suit, ça suit. Je pense que les carrioles sont pas pleines. Il y en a qui sont à moitié vides. Celles qui sont vides, je vais les faire faire demi-tour. Toi, t'es vide, demi-tour. Ah, c'est laquelle que j'ai, celle-là. Fermez tout. Non. Oui, mais on est en 1850, mon cœur. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est pour ça qu'on a des... pour ça qu'on a des carrioles. Demi-tour. Après, je peux leur dire de partir que quand ils sont pleins. C'est juste au tout début où on va galérer, en fait. Il n'y a que au tout début où on va galérer. Demi-tour. Après, la production, elle va suivre, normalement. Ah non, il a déjà fait demi-tour, lui. Oui. Parce que là on a un peu plus de stock et du coup ils partent plus à vide. Par contre ouais, là il y a une grosse montée, 9 km/h, en descente ils sont à combien? 15 km/h. Ouais bah c'est obligatoire, hein. C'est soit ça soit un pont. Y'a une montagne. C'est fini Dino, hein. C'est fini. Ok. Ensuite, on n'a pas encore rentabilisé la ligne parce que eux, ils sont pas encore arrivés une seule fois au bout. Où est-ce qu'on a besoin de planches pour fabriquer quoi? Après, vous me dites focus sur une ville, mais c'est pas obligatoire au début. Pour un début de partie, tu peux focus le transport de passagers aussi. Entre les villes. Mais c'était difficilement rentable, c'était pas top rentable avant, ce que j'ai fait. Après, ici... Ah non, il me faut forcément du fer pour pouvoir faire des planches, des boîtes. Où est-ce qu'on a le charbon? Oh, attends, le charbon il est que là-bas. Non, il y a du charbon là. Putain, c'est la merde. Le charbon il est super loin. Ça va falloir qu'on le fasse un peu plus tard. Et avec les trains, je pense. Alors là, on a les premiers. Non, pas du tout. Pas du tout. Les premiers fournisseurs. On a déjà du pain créé? Non. Je crois pas. Hein. Non, on a reçu zéro. Ils sont là les premiers. C'est lui. Voilà, il est plein. Week-end prochain, polonais. Il n'y en aura pas avant, malheureusement. J'aurai pas le temps. Parce que je vous rappelle, hein, il n'y aura pas de stream ni demain ni après-demain parce qu'on a des invités. Donc, programme. Lundi, mardi, pas de stream. Mercredi, on fait du Miscreated. Jeudi, on fait... Oui, peut-être jeudi, du Prison Architect. Et à partir de vendredi, et pendant une semaine, tous les soirs, il y aura du Miscreated. Mais... c'est que le soir, à partir de 21h. Donc avant 21h, je ferai d'autres jeux. Prison Architect, du Transport Suiveur, et l'autre. Jurassic World aussi, il faut qu'on en fasse encore un peu. Donc voilà. Et donc si on veut faire à base de planches, il me faut soit du plastique. Et pour faire du plastique, je crois que... Production de plastique, production de plastique, oui. Oui. Attends.
Voilà, là, on a production de pain. Un chouïa. Oui, on a du pain. C'est bon. On va commencer à être rentable. Là, niveau pognon, c'est pas du tout le cas. C'est parce qu'on vient de commencer. Salut, GG. Comment ça va? Le stream s'arrête. Non. Alors, caillou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du caillou? Qu'est-ce qu'ils ont besoin en ville? Il y a quoi comme ressources nécessaires? On n'a jamais fait les offres de travail. On a fait vraiment que des offres commerciales pour le moment. Pas ce soir avec Progas, mais à partir de vendredi prochain, pendant une semaine, il y aura du Miscreated. C'est un jeu à mi-chemin entre Rust et DayZ. Et c'est un event organisé par Taurus pendant une semaine. Ce sera un event PVP qui durera de 21h à minuit tous les soirs pendant une semaine. Ils sont contents dans la ville? Ils sont contents. Est-ce qu'ils sont contents? Dis-moi que t'es content. Ils sont pas contents. C'est pas encore eu de pain. Mais on a 1 million 8, ça nous a coûté 200 000 pour le moment, c'est normal. Les planches, elles se revendent pas directement, hein. Non, il y a une transformation à faire avec les planches. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire d'intéressant avec les planches, mis à part les outils? Ah oui, deux planches, oui, voilà, je peux faire avec deux planches, je peux faire des outils. Est-ce qu'on a une fabrique d'outils de ce côté de la Terre, de la planète? On n'a pas de fabrique d'outils, elle est forcément là-bas. Mais là, du coup, avec un train, pif, paf, pouf. Pouf, paf, pif. Chaud. Donc ça, c'est production de pétrole de base. Le pétrole, on peut en faire du carburant, mais pareil, de ce côté de la ville, de l'île, rien du tout. Mais ouais, je disais, on n'est pas obligé de focus une ville. C'est peut-être mieux plus tard, mais au début, je pense que pour se faire un peu de pognon, c'est peut-être mieux de faire des choses un peu partout. Genre... charbon fer. J'aime vraiment pas le layout. Hein. C'est chaud, il y a tout qui est loin de tout. Yo Thomas, c'est Mason. Période de jeu sur le serveur, c'est 21h minuit chaque jour. Oui. Possiblement poussé jusqu'à 23h, jusqu'à 3h du matin, Mason. Mais c'est pas sûr. Puits de pétrole raffinerie pour les usines. C'est assez simple au début. Attends, alors, puits de pétrole raffinerie. Puits de pétrole. Qu'est-ce que quoi? Où est-ce que j'utilise mes barils, moi? Ouais, mais attends, c'est les raffineries, elles sont là. J'ai qu'une raffinerie? J'attends. Yay! Merci pour la Yay! Fast Fever qui achète, du coup, Transport Fever sur Instant Gaming. Merci, Fast! Désolé, hein, du coup, pour le concours. Merci beaucoup. J'ai qu'une raffinerie. Après, j'ai un puits de pétrole là. Là, ça va, en soi, la distance n'est pas monstrueuse. Mais après, là, c'est loin des villes. Je peux vendre éventuellement. Donc, ils achètent déjà maintenant le... Oui, ils achètent déjà le carburant maintenant. Ok. Oui, PVP va être dès le début, Mélisson. Mais je pense pas que quand on sera tous à poil, on va se taper dessus. Hein. Ok, le pain est pas mal. Le pain est pas mal. Là, ils sont en train de revenir. Super, super. Bien. Bon, du coup, raffinerie maintenant. Mais est-ce que je le fais par train? Ça va me coûter trop cher de nouveau le train. Je le refais par voie orale. Parfois de... route. Qu'est-ce qu'on a? On a une montagne là au milieu? Non, ça a l'air d'être assez plat. Hein. Ouais, c'est bien bien plat, parfait. Je le refais à la route. Et du coup, le fait de mettre un arrêt de bus ici, je vais pouvoir faire du transport entre Montluçon, Granville et Ham. Jambon. Oh. Je pense. On a 2 millions. Tentons. Donc, hop là. On va juste faire un petit détour. Ça coûte moins cher. Tu fais quoi? Tu creuses là? Putain, mais tu coûtes trop cher à creuser dans la colline. Bordel! Oui, on va aller siphonner le puits de pétrole, ouais. 18 000.
Pourquoi là il a réussi à me faire un grand coude et ailleurs j'arrive pas. Paf. Paf. Ok. Donc, on fait. Est-ce qu'on a une route qui les relie? Ouais. Mais je pense que ça va me coûter moins cher. Combien coûte le dépôt de bus? 12 000, ouais. Vaut mieux que je mette un dépôt. Plutôt que... de les faire traverser depuis là à Pince jusqu'ici. Jusque là. Jusque là. Oui, ça fait long. Ouais, ça fait un bout quand même. Hein. Ça fait une trotte. Ça fait une trotte. Bon, on va mettre notre dépôt ici. Ce dépôt, nous allons acheter. Vu la taille de la route, 15 carrioles. Après, en plus, l'avantage... Ah ouais, non, mais j'allais dire, on peut aller à Montluçon aussi avec le pétrole, mais ça, pareil, ça fait... Ouais, ça va, la distance, c'est quasiment la même. T'as un tiers de plus. On pourra fournir du pétrole aussi à Montluçon. On va faire 15. 15. 15. Et on va vous faire une ligne, nouvelle ligne, depuis. Je ferme ça. Merci. Mais je suis con, je les ai même pas mis, abruti. Laisse ça. Hop là. Par ici. 10 000 balles. 10 000, 9 000, 9 000, 9 000. Qui dit 8 000? Non, j'arrive pas. Là. De ici. Ah. Ici. On met un arrêt de bus. Là par contre le pétrole c'est pas les mêmes secteurs, hein. C'est secteur jaune je crois. C'est secteur jaune, offre de travail. Donc ça va être là et là, mais je crois dans tous les cas que mes arrêts de bus actuellement couvrent tout. Ouais, il couvre tout. Là. Pour le moment, un arrêt de bus suffit. Bien. On fait une ligne. Qui va être de là à de là. Ça, c'est la ligne pétrole. Et nouvelle ligne de... Non, c'est pas ça que je voulais. Nouvelle ligne de ici à là. Et ça, c'est la ligne ham pétrole. Ok. Et donc, vous ici, les 10 qui... Non, ici. Les 10 qui traînaient ici, desservis la ligne ham pétrole. Non, la ligne pétrole. Et là, pareil, on va stopper les premiers. On va les espacer. Desservir en pétrole la ville de Jambon. C'est ça. C'est ça. Alors je sais pas pourquoi il y en a qui partent. Mais c'est tant mieux. Je sais pas pourquoi il y en a qui partent. Au bout d'un moment ils en ont plein cul. Ouais c'est ça, au bout d'un moment ils en ont plein cul d'attendre. Donc je les répartis pour qu'ils soient pleins, voilà, toi tu vas faire demi-tour également. C'est bon, ça commence à produire, oui. Ouais ça commence à produire. Donc toi tu peux y aller. Il y en a un qui est passé, toi tu peux y aller. Là, toi, tu t'arrêtes. Non, toi. Tu peux y aller. Il y en a en stock 10. Après, non, mais je suis con, en fait, de faire ça. J'ai qu'à faire ça. Ligne pétrole. Attendez, pause. Celle-là. On est où ici? C'est à... Non, c'est... Oui, c'est pétrole. Colomiers Est, hein, ici. Oui, c'est ça. Vous partez que quand vous êtes plein. Et là, ça règle le problème. Et on n'a plus à bidouiller avec les... Start go. Normalement. Et là, on peut faire pareil, donc sur la ligne ham pétrole à ham secondaire. Ça, ham secondaire, vous partez que quand vous êtes à plein. Nickel. Et donc, comme les premières carrioles sont parties à plein, peut-être juste pas les deux premières. Si, si. Oui, elles sont parties à plein. Comme elles sont parties à plein, qui a les premières qui sont passées, c'est formidable. Pourquoi toi t'es encore à l'arrêt? Démarre! On va acheter
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous allez à la ligne âme pétrole. Très bien. Donc là, on est bon. Au niveau de la rentabilité de cette ligne-là, donc c'est la ligne Grandville, Pain, elle est rentable. Et la ville, c'est laquelle que j'ai appelé ligne 1. Mais... Ah, mais elle est vide. Mais oui, elle a pas d'arrêt. Supprimer ça et la personne dessus. Donc, Grandville Pain, elle est rentable. Et par contre, Pain n'est pas rentable encore. Peut-être que plus de carrioles. Il y a du stock ici ou pas? Il n'y a pas de stock. Donc, plus de charrettes. Plus de charrettes. Ligne. Pain. Parce que pas de stock. Oui, je vais faire que tout soit full. Pain, vous partez à full. Et Grandville Pain, vous partez à full également. Ah non, mais merde. Oui, Grandville Sud, c'est bon. Montluçon Est, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il y a large le stock. Donc ça passe. Et s'ils vont attendre. Par contre, est-ce que... ceux qui livrent le pain, livrent le brut, vont pas être bloqués par ceux qui attendent d'avoir du pain. Ils sont deux sur la voie. Attendez, excusez, j'étais à côté. Ouais, ok, il y a deux lignes. Donc il y a ceux qui fournissent et ceux qui... D'accord. Ils déchargent d'un côté, ils prennent de l'autre. Ouais, ok. Donc là, normalement, la ligne va se rentabiliser. Lios, on a recommencé trois fois. On est au tout début, là. C'est la merde! C'est la merde! C'est quoi le petit gling de sonnette de vélo de temps en temps qu'on a? C'est quand il y a les dépenses? Les productions, détail, il n'y a pas de stock pour le moment. Ah, et les premières carrioles partent pour vendre notre nice. On va se faire le pognon qui va arriver. Non, non, cette fois-ci, Silver Ridge, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ah, bonjour, Zangadar. Ça, moyen. Ça va, moyen. Ah, ce sont les gains. Ah! Ah, du pognon qui rentre, pas qui ressort. Très bien. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est de la full gestion, Juju, but du jeu. Et non, effectivement, c'est pas le jeu le plus simple du monde, et tant mieux. C'est moi, c'est ce genre de gestion moi, que j'aime beaucoup. C'est ça qui est bon quand le jeu te résiste, quand il n'y a pas tout qui t'est offert. Bon, là, il y a de l'attente, mais notre convoi arrive de nouvelles... C'est bien. Je pense qu'il faudrait mettre encore plus de carrioles. On verra si on arrive à rentabiliser la ligne. Âme pétrole est négatif, c'est bon. Ah, pain, elle est en positif là. Pain est passé en positif. Et comme il y a de l'attente pour plus de pain, et que là il y a plus de prod, on continue d'acheter des charrettes. 15. Hop, 15 de plus pour la ligne pain. Va falloir que je remplace... Non, ça va, ça fait 6 ans, c'est après 15 ans, je crois, qu'on remplace la première charrette. Pas du tout, Borg, non. Pas te mettre les boules, pardonne-moi l'expression, mais j'ai bien dû recommencer 30 fois avant d'avoir un début viable. Ah non, mais t'inquiète, moi, ça me fait pas peur du tout, hein. Ça me fait pas peur. C'est bon, là, ça décharge.
Tu as mis les charrettes en remplacement auto. Pas encore. Pas encore. Alors, il nous faut juste des lignes rentables maintenant. Si on a des lignes rentables, on est... Ouais, toutes les lignes sont rentables. Excellent. Ici, ça dit quoi? Ça dit que... en stock, on a plus de stock, donc ils vont attendre un moment avant que les... On va mettre plus de charrettes pour ici, parce que là, il y a beaucoup de stock. Donc on va faire pareil. Achète des charrettes ici. Franco-Belgio, c'était des arnaques. C'était de l'arnaque. Charrette, go. 15 de plus pour desservir pétrole. Oui, je peux prévoir le remplacement auto, mais c'est par ligne, hein, si j'ai bien vu. Non, c'est pas par ligne. Oui, c'est par ligne. Faudrait que ce soit par modèle, en fait. On. Donc cette ligne est remplacée. Faut que je le fasse sur chaque ligne. Grandville Pain. Remplacement. Ça. J'ai moyen de le faire sur toutes les lignes d'un coup ou pas? Âme pétrole. Remplacement. Chariot à cheval. On. Pain, c'est fait. Non, pain, c'est pas fait. Non, c'est pas fait. Remplacement auto. Pétrole, c'est fait. Ok. Oui, Franco-Belgio, oui. Non, non, Zongada, en fait, c'est... quelqu'un est venu faire des concours sur le chat. En fait, il se trouvait que c'était des jeux craqués en full arnaque. Honnêtement, moi, ça me paraît assez bizarre le nombre de concours, mais après, il y en a. Hein, on prend Fast Fever par exemple, c'est pas le seul, mais il y en a. Fast Fever fait souvent gagner des jeux. Et je sais que c'est du 100% legit. Mais là, quelqu'un qui vient de nulle part, qu'on n'a jamais vu, et qui offre. Il y a quoi, 250€, 300€ de jeu en 2 heures. Sa chaîne YouTube, c'est comment craquer Photoshop, gagner voilà. Des codes à pas cher. Ouais, donc c'est du phishing. Et exactement. C'est une fille, ouais. Que je pense, tu vois. Donc, je vous conseille, après je peux pas vous forcer, mais je vous conseille de ne pas utiliser les jeux qu'elle vous a envoyés. Mais n'hésitez pas à signaler pour escroquerie par contre. Ouais, ça vous pouvez, ouais. Moi je l'ai fait, Captain l'a fait, Fast aussi. Ok, on a une nouvelle cargaison qui arrive ici. Et on va pouvoir partir à Montluçon pour la vente aussi. Mais je pense pas encore qu'ici, on ait rempli toutes les... Non, l'offre, c'est bon. On a encore un peu de marge. Nickel. Voilà, exactement. En face, c'est 100% legit. Déjà, c'est des clés Steam. Donc déjà, il n'y a pas... Ça n'existe pas de générateur de clés Steam pour avoir des jeux. Et à chaque fois, en plus, Fast, il passe par moi. Il m'envoie les clés pour que je vous les fasse gagner. Absolument Fast, et je crois que j'ai jamais eu de problème. Aucune de tes clés était dupliquée ça ou quoi que ce soit. Hein. Avec qui que ce soit. Ouais, avec qui que ce soit. Que tu connais, en fait. Ah ouais. Oui, Romy, je l'ai toujours, ouais. Mais je la ferai gagner plus dans un jeu qui sera plus dans l'ambiance. Genre sur Miss Created, je pourrais la faire gagner. Là, c'est pas vraiment le même style de jeu, quoi. Bon, c'est pas tout, mais ça tourne. Et ça tourne même plutôt bien, on n'a pas trop de stock ici. Ici, bon, il y a du stock, mais c'est normal, hein. C'est normal, on a beaucoup de... Ici, il y a aussi du stock. Voyons voir la rentabilité de mes clés. Mes clés, putain. C'est bon, j'ai bien fiché tous mes viewers, c'est parfait. Non, mais mes lignes marchent bien, grand pain. Alors, celle-ci, elle passe en négatif, mais c'est début du mois, c'est peut-être ça, ou début de l'année. C'est juste le début de l'année, je crois. Et après, elle réaugmente. J'espère. Après, on a beaucoup d'attentes ici. Pourquoi on a beaucoup d'attentes? Parce qu'il y a trop de stock? Non, pas du tout. C'est juste trop lent. Pourquoi c'est trop lent? Tu-di-du-di-du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 
Il y a un timer pour le chargement. Oui, mais ils devraient se séparer en fait. Ils devraient normalement, au bout d'un moment, il devrait plus y avoir d'attente. Parce qu'ils devraient avoir le bon écartement. Dans le quai de chargement, je peux pas. Le quai de chargement plus grand en fait, ça rajoute juste une ligne. Mais une ligne dans le sens une ligne de transport, pas une ligne de déchargement, si j'ai bien compris. Comme là ils sont bien répartis et là il n'y a pas d'attente. Ils ont peut-être pas eu le temps de faire une boucle complète ou deux. Il faut deux boucles complètes pour que ce soit bien, bien réparti normalement. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, déjà nos lignes elles sont rentables. De 1 et de 2. On a deux ressources cette fois-ci. Parfait. Là, ouais, il y a encore masse d'attente. Ouais, non, ça va. Je pense qu'ils vont finir par se répartir. J'ai peut-être juste un peu... Non, j'ai pas trop. Ils vont juste finir par se répartir correctement. Oui, les musiques sont nulles, mais elles rentrent dans la tête. C'est relou. C'est relou. Production de pain ici. Faut pas vérifier, mais... Non, ça ira. Ok, le pain, c'est parfait. Ça a l'air d'être parfait. On va pas aller jusqu'à Mayenne pour vendre le pain. Hein. Ça fait loin pour vendre son pain ailleurs. Je sais pas trop ce qu'on peut faire pour le moment, à part encaisser de l'argent. Et encore, on est à quoi? Ça fait 10 ans. Non, on commence à 55, ça fait 4 ans. À partir de là. Alors, en soi, on a le pétrole et on a le blé là. Donc, on pourrait faire le plastique. Le plastique, ils l'achètent en état. Non, ils n'achètent pas le plastique en état. Mais le plastique, on peut faire ça, paf. On va pouvoir faire du plastique. Faire des biens de consommation. Mais est-ce que le faire par la route, de nouveau, ce serait pas plus rentable que de le faire par train? Là, je demande l'avis du public. Parce que on a ici la production... du pétrole. Ici, le pétrole, on a le blé qui est là, juste à côté. Il faut aussi les planches. Oui, mais les planches, je peux les faire ici. Les planches, je peux les faire là. Donc justement, là, il y a tout qui est pas trop loin. Et on peut vendre tout ça, mon Luçon. Le train. Ouais, mais le train coûte cher, le train. Le train, ça coûte cher. Bon, dans tous les cas, ça, déjà, je pense qu'on le fait... par la route, hein. C'est l'un à côté de l'autre. On va faire ça par la route. On va tirer une route de là à de là et de là à de là. Et on fait ça par la route. Par les airs, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas avant 1950, je pense, qu'on commence les avions là autour. Quatre gares pour ce projet, ça coûte cher, 4 gares. Déjà ça. Et même plus, attends, 1, 2, 3. 4, 5, 6 si je le fais tout. Si je fais tout par train, c'est 6 gares. Donc 6 lignes. Non, déjà, ça, on le fait par la route. On fait déjà les planches par la route. Fin des années 20, utilisation commerciale de l'avion. Ok, bah voilà. Allez, hop. Non. Pourquoi c'est aussi cher? Pourquoi? Pas d'emblée, non, c'est bon, un tout petit peu. Et 30 000. Ok. Il n'y a pas de transport de fret par avion? Ok.
Non, parce que le produit fini, en fait, il... la ville, elle est à côté, donc ça, je pourrais le faire par... Non, je pense que le seul endroit où c'est viable de le faire par train ici, c'est de là à là. Et encore, ça coûte tellement cher, le train. Fais une partie en train et emploi sur le reste, les charrettes. Ouais. Toutes les villes en achètent, oui, oui, mais ça, c'est la ville la plus proche. C'est la ville la plus proche. Je fais par rapport à la ville la plus proche. Après, oui, il faudrait qu'on focus. Mais après, vu que les planches, on les amène là. Après, je peux faire un trajet comme ça aussi. On aura déjà la route. Une ligne, une gare, environ 300 000, donc environ 1 million 8. Sans les trains, tu seras déjà dans le négatif. Ouais, c'est la merde. Non, je suis obligé de partir, partir par la route, hein. 107 000, 107 000, 106. J'ai vu un 106. 106, 100. Oh, 102 même. 102. Est-ce que partir plus loin dans 200. Il y a un 102 par ici. 102. 102 000 ici. On a 2 millions. Oui, les villes prospèrent, Mister Nose, ouais. C'est pour ça que focus sur une ville, apparemment, ce serait mieux. Donc on vendra les caisses de consommation ici. Les biens de consommation, on les vendra ici. La charrette, je crois que c'est dans les 15 000, ouais. Et le train, il me coûte 500 000. Un train me coûte 500 000. Donc, 30 charrettes. Après, je sais pas si l'entretien des charrettes est plus cher, j'en sais rien, ça. Bon. Donc, les planches, paf, paf. Celles-ci vont venir livrer là. Le blé. Là, on a masse de blé en plus. Donc, le blé, il faut juste que je fasse un pont ici. Alors, le pont risque de coûter un peu cher, par contre. Non, 100 000, ça va. Ça passe. Par contre, il y a une colline. Si je peux éviter de prendre la colline. Non, je ne vais pas pouvoir éviter la colline, malheureusement. Elle vient déjà ici. Ah, je passe dans les champs. 100 000, 200 000... On va raser un champ, c'est pas grave. Deux champs détruits. 400 000. Pourquoi ça coûte aussi cher? C'est la destruction du champ qui coûte cher? 63 000, 63 000. Ok, là, on a la route. C'est dégueu, hein, comme... Non, Hante, ça passe pas, non. Je pense qu'ils sont collés. Même si on le voit pas visuellement, je pense qu'ils sont collés. Donc là, on peut livrer le blé ici. Et il va falloir une route qui livre le pétrole. Alors je peux éviter la ville, mais vu le prix, ça va me coûter. Combien ça me coûte de faire ça? Je sais pas si on y gagne énormément de temps. Ou 200 000. C'est après, là il y a colline. Et le fer en ligne droite. Ça va me coûter un bras. Ça va me coûter un bras. Mais ça fait gagner beaucoup de temps. On va le faire. Ça va, les financer le suivre pour le moment. Trop cher. Trop cher. Il y avait 200 000, hein, le pont seulement. Il n'y a pas un moyen de dire... colle-toi au sol. C'est des routes, on s'en fout qu'elles soient un peu abruptes. Bon, c'est pour des chevaux, donc c'est un peu compliqué. Mais... Bon, là, ça m'aura coûté beaucoup moins cher. 110 000. S'il le fait comme ça, 8 000. Ah non, là, c'est beaucoup moins cher. Ça fait un total de 20 000. 24 000, ouais, c'est mieux. Ok, donc là on a une route comme ça. Ouais, faut faire par petit tronçon, ouais, ouais. C'est bien ce que j'ai cru voir. Donc là, on va pouvoir amener tout ce qu'il faut. Ici, on a le blé, ça fait le plastique. Le plastique vient ici. Plastique, il lui faut des planches et du plastique pour faire des produits de consommation. On est bon, je crois. Alors,
Il nous faut une ligne. Première ligne, c'est... de blé... Non, nouvelle ligne. C'est de blé à... plastique. Merde, j'ai pas mis les arrêts. J'ai jamais mis les arrêts. Alors, là par contre, on va avoir besoin de trois lignes. Donc là, il me faut le grand, grand entrepôt. Grand garoutière. Non, c'est pas ça. Air de chargement. Grand air de chargement. Parce qu'il y aura trois lignes, justement. 22 000, 21 000, 18 000. 11 000. 10 000. 10 800. Tac. Donc là, nous avons une première ligne qui va être le blé vers le plastique. Blé plastique. Ensuite, ça, ça doit venir ici. Là, on va également avoir trois lignes. Tu viens là, j'ai bien 17, là. Nouvelle ligne. Du plastique vers les biens. Ah ! Attendez, plastique, caisse. Par contre, il fait passer par là, c'est plus court. Ok, bon bah s'il veut. S'il veut, il n'y a pas de problème. Il nous faut... Donc on va vendre... Je pense que ça, c'est plus loin. Mais on va essayer de focus d'agrandir le convite. Merci beaucoup Arcos pour les 14 mois. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux mettre 3 lignes sur le petit, ça va bouchonner. Oui, 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 je pense bien, je pense bien. Ah que coucou, comment vas-tu? Merci beaucoup Arco, ça va bien et toi? Du coup, ouais, vous me dites focus plutôt sur une ville, donc on est d'accord, je préfère aller à Granville. On fait une ligne. Depuis, nouvelle ligne donc. Hop. Ah, ici. Donc ça, c'est caisse Granville. Et il nous manque une dernière ligne, donc ça à ça on l'a, ça à ça on l'a, ça à ça on l'a. Non, il nous manque encore 3 lignes, putain, tant que ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Raffinerie, il y a problème de pétrole. Il y a trop de... essayer de transporter plus de marchandises. Ah! Attends, c'est lequel? Ici? Ouais, faut qu'on rajoute du... Faut qu'on rajoute des charrettes pour ça. Yeah! Merci à toi d'avoir acheté Diablo 3, très bon choix. Battle Chess, qu'est-ce que c'est que Battle Chess? Merci beaucoup, j'ai pas ton pseudo, mais merci d'être passé par mon lien Instant Gaming. Merci beaucoup. Alors, achetons des véhicules. 10. Et vous allez desservir la ligne... Là. Âme pétrole. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que Âme, ils reçoivent assez de pétrole ou c'est pas bon? Ouais, ça va faire un peu trop. Enfin, peut-être falloir qu'on parte à Montluçon, hein. On verra, on verra, on verra. Donc, on disait, il nous faut encore une ligne. Depuis la Syrie. Depuis la foresterie à la Syrie. Tac. Donc là, deux lignes suffisent. Non, non, mais Franco Belgio, fais, je te dis, hein, fais comme tu veux. Mais... c'est bien trop suspect... Dans tous les sens du terme pour que ce soit legit. Ah non mais c'est full fake, 100%. 16 000, 16 000, 16 000. Ici. Tac, à la Syrie. Là il n'y a que deux voies aussi donc... Ça passe ici? Pas l'air. 11 002. Il est où? 10 000. J'ai bien 10 000 aussi. J'ai bien 10 000. Non. Bon. 11 001, 11 002. Ok. Donc là, nous avons la ligne Syrie. Forêt Syrie. Nouvelle ligne. Hop. Forêt. Forêt Syrie. Forêt Syrie. Ok. Et maintenant, il nous faut une ligne de là à de là. On a déjà l'arrêt, donc nouvelle ligne. On appelle planche caisse. Planche
Qu'est-ce ? Ça va être le merdier pour se retrouver dans les lignes. Hein. Hors de question, Loïc. Hors de question. Ok, là on est pas mal. Je crois qu'on a toutes les lignes. Hein. Non, j'ai pas encore fait celle-là. Il me faut une ligne encore. Ah, et du coup, il faudrait que je upgrade ça. On va le upgrade. Hop, passer à... Comment je fais pour le passer en tier 3? Il y a moyen? Quelqu'un avait dit qu'il y avait moyen. Necro, je crois que t'avais dit qu'il y avait moyen. Comment je fais? Il faut que je clique sur l'image. Ah oui, d'accord, ok. Hop là. Appliquer. Voilà, comme ça, on passe sur un plus gros pour une troisième ligne. Comme ça, on aura trois lignes ici. Et on fait donc une ligne depuis... Ici à ici. Non, ici. Et du coup, ça, ça fait pétrole plastique. Pétrole plastique. Ok, bon. Maintenant, il va falloir qu'on engage nos charrettes, nos carrioles. Donc, les premières qu'il faut qu'on achète, ce sera de ici à là-bas. Donc là, normalement, ici, il devrait commencer à me produire du pétrole noir, hein, si j'ai bien compris le fonctionnement. Donc on va acheter 10 charrettes. 20 charrettes, 10 charrettes. On commence par 10. Ça peut transformer. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc vous desservez la ligne pétrole plastique. Ils sont partis. Ensuite, ici, nous allons créer ceux qui font... Non, on va peut-être mettre un abribus, ça nous coûtera moins cher. Un dépôt. Ça nous coûtera moins cher de faire le dépôt et de les faire spawner depuis ici. 14 000, 15 000, 14 000, 12 000, 11 000. Donc ici, nous allons créer 10 carrioles qui vont transporter le bois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... qui vont aller sur la ligne forêt Syrie. Par contre, tu as mis dans le mauvais sens entrepôt à véhicules. Genre, quand tu les vois rentrer dans ton stockage, tu les vois, ils doivent attendre que les autres sortent. Ah ouais. C'est pas grave. Oui, il faut que je les fasse partir full, c'est vrai. Pause. Pause. Blé plastique. Alors, mon cul. Non, mon luçon. Est. Mon luçon est, vous partez à plein. Caisse Grandville. Depuis, mon luçon haut. À plein. Forêt Syrie. Depuis. Grandville secondaire. Vous partez à plein. Grandville, pain, ça n'en touche pas. Âme pétrole, on ne touche pas. Ligne 1. J'ai une ligne 1 qui est nulle. Ou j'ai pas renommé. Non, je pense qu'elle est nulle. Pain, pétrole, pétrole plastique. C'est ici. Donc c'est âme sud, hein, c'est ça. Âme secondaire. Âme secondaire, vous partez à plein, c'est déjà le cas. Non, c'est fort ici. Âme secondaire. Vous partez à plein. Planche vers caisse. Planche vers caisse, vous partez de Grandville Ouest à plein. Et plastique vers caisse. C'est-à-dire ici, vous partez de Montluçon Sud. Plastique vers caisse, Montluçon Sud, vous partez à plein. Voilà, comme ça ils partent tous à plein et ils font pas les trajets pour rien. Enfin, ça va bouchonner dans les entrepôts. Dans celui-là, c'est le seul qui est utilisé par plein d'endroits, je pense. On verra, au pire, je peux changer après, mais c'est surtout pour le début. Parce que là, ils vont partir... Voilà, lui, il est parti à vide. Demi-tour. Ok, donc cela, c'est bon. Cette ligne s'est créée. Ensuite, depuis... planche à caisse. Il nous faut 10 charrettes de planche à caisse. 8, 9, 10... Essai de planche à caisse. Ok. Ils sont partis.
Ils sont partis. Il nous en faut également, ici, de plastique à caisse. Donc de plastique à caisse, celle-là. Pas du tout Broudaf, j'ai pas du tout croché à la série. J'ai regardé le premier épisode, j'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout mon genre de série. Et je crois que le dernier c'est de caisse à Granville. Hop. De caisse à Granville. Voilà. Et je crois qu'on a tout, hein. Je crois qu'on a tout. Blé plastique, je l'ai pas fait. Si, je l'ai fait, je crois, non? Non, je l'ai pas fait. Bon, on peut regarder sur mes lignes, vu que je les ai créées à l'avance. Ah oui, blé plastique est pas fait, bien vu. Donc, hop, ici, acheter véhicule. Tac. Et vous, vous partez à blé plastique. Voilà. Et on devrait être pas trop mal. Vitesse 3. Il va falloir un an ou deux, je pense. Pour que ce soit rentable, que toutes mes lignes soient rentabilisées. Parce que là, on en a plein qui sont à perte. C'est normal. Ah, vos souhaits. Silence un peu. En culture, les gens, Montluçon a été une des villes industrielles pendant la révolution Indus et travaillait l'acier et la fonte, surtout desservis par péniches et trains. Alors, à The Peak, hop, 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 fais venir les péniches. Montluçon, il est au bord de l'eau? Ouais, au bord de l'eau. Mais c'est la merde, l'eau, hein. C'est des petites rivières, c'est chiant. Bah, Broudaf, quasiment tout, à part les séries de super-héros. Il y a très peu de séries de super-héros que j'ai kiffé, en tout cas sur Netflix. La seule que j'ai vraiment regardée et que j'ai accrochée, c'est Flash. Et encore, c'était du vidage de tête plus qu'autre chose. Hein. C'était vraiment nimp comme série. Mais c'est pas pour rien que je t'aime, mon cœur, c'est qu'on a pas les du coup, ici, oui, on a effectivement le pétrole noir qui a commencé à start. Mais là, en soi, normalement, il devrait jamais y avoir d'embouteillage. Là, c'est juste le convoi qui arrive, premier convoi, mais après, ils vont se séparer automatiquement. On a de la liquidité, on a 1,4 million de liquidité de dispo. Quoi, quand on cherche un jeu indé sur Steam, en les tapant, on trouve pas. Parce qu'ils sont souvent pas forcément sur Steam, les jeux. Il y a plein de jeux qui sont pas sur Steam parce que Steam prend une part quand ils vendent leur jeu. Sur Steam, en fait, Steam prend une part, donc les jeux indés ont pas forcément les moyens. Mais oui, tu cherches quel jeu là, par exemple? Ah, ce jeu, bah si, ce jeu par contre il est sur Steam. Tu dois taper faux, je pense. Après Steam, il y a les serveurs qui sont en PLS là avec les soldes, donc c'est possible que les recherches bug un peu. Peaky Blinder, t'as regardé ça toi? Ouais, j'ai bien aimé. Il doit bien aimer, moi j'ai pas regardé, je crois. Ah, je crois. Ok, donc là eux ils vont. Non, eux ils vendent du pognon parce que eux ils sont en train de fournir qu'est. Le blé. Ils fournissent le blé. Ok, moi j'ai pas regardé encore. Eux, ils sont tous pleins normalement de pétrole, oui. Ici, au niveau fourniture de carburant, non ça va, il y a de la marge. Et ici, niveau fourniture de pain, vous êtes pas mal. Est-ce qu'on fournit trop de pain? On a moyen de savoir si on fournit trop de pain ou pas. Pour mettre la caméra aussi. YouTube, ça fait combien de temps qu'on est là? On va peut-être avoir un épisode complet. Ouais, 1 heure, pile, parfait, YouTube. YouTube, si tu kiffes ce jeu, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu. On se retrouve bientôt pour la suite et je croise les doigts qu'on est pas trop mal parti ici. Et il commence à faire sombre ou c'est moi? Ouais, faut que je touche la caméra. Merci YouTube de m'avoir regardé, à la prochaine, c'est As2 avec le chat. Salut.